Era cuissa a scommessa, a sfida, a duprà parole pa testimonià di un silenzio. Allora, la parola riacquisto è una parola che ho proposto nel 1974 all'Università di Stato in Corte e poi a nozione di leva di usi tanta, di noi l'ho proposta. È una nozione che corrisponde a un'epoca particolare di a nostra evoluzione culturale, linguistica, letteraria, politica di noi. Dopo un'epoca che ha durato assai, venne a dire l'epoca che è venuta dopo la seconda guerra mondiale, dunque c'è stata un'epoca di mantenimento, una rivista principale di Radio Ghiero Montesi, e un Montesi che ha principiato nel 1957 è giunta finalmente all'anno 70 e poi era sfiatata. E come succede a questo movimento di radio di rivendicazione della lingua, di riapertura dell'Università di Corte, con gli studenti che erano in continente, che tanto l'università in Corte non ce n'era mica. E c'era una rivendicazione di nuovo d'ordine politico. E poi la rivendicazione sicura era di nuovo in seno a una rivendicazione più larga che aveva un carattere sociale, umano e particolarmente linguistico, dunque la rivendicazione per la lingua corsa, che la lingua corsa fosse insegnata nelle scuole, come erano insegnate altre lingue di un dominio francese, secondo la legge di 1951, che si chiama sempre d'altronde la legge d'Exogne. E un corso, nel 1951, quando è stata adottata la legge d'Exogne, un corso è stato tenuto fuori, considerato come una lingua che era straniera, sicuramente un nemico di una lingua che è uscita da un ceppo francese, ma infine una lingua che possiede le sue caratteristiche proprie, una lingua di dominio latino, e poi in più è la lingua che
portava di nuovo parecchie rivendicazioni culturali, di carattere culturale e più particolarmente di un punto di vista di un teatro. Cette maison de la culture qui a été créée donc symboliquement pour fêter le bicentenaire de la naissance de Napoléon. Donc a priori, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit une structure qui permette une sorte d'explosion de la création identitaire, on pourrait appeler ça comme ça. Et je crois qu'il faut la voir en fait sous plusieurs angles. Elle a été finalement une structure très académique au sens... qui a correspondu à ce qu'on attendait d'elle, ça c'est clair. Mais en même temps, je crois qu'elle a quand même, malgré tout, donné la possibilité à des créateurs insulaires de se manifester. Parce que c'est pas si évident de faire connaître son travail, tout le monde le sait. Et moi, je considère que la décentralisation, qui commençait quand même à poindre, c'était une possibilité quand même d'offrir un contexte de travail, un contexte de diffusion qui aurait pu être intéressant. Mais il ne faut pas non plus oublier que ça a été fait à minima. Oui. C'est-à-dire que là aussi, ça a été fait vraiment, je trouvais d'une manière un peu bricolée, puisque il n'y avait pas vraiment une politique affichée, il y avait surtout des désirs très lyrique d'un directeur, et puis ce qu'on appelait les animateurs, là avec un ton très pudique, les animateurs identitaires. Donc c'est toute c'est tout le paradoxe finalement de cette époque où on assistait à des cohabitations quelquefois étranges entre des formes très conservatrices, des formes, je dirais, des goûts esthétiques extrêmement académiques, et puis cette volonté de faire émerger une création différente, contemporaine mais identitaire. La Maison de la Culture, c'était au fond la seule structure culturelle qui permettait de mettre au service de la Corse non seulement une réflexion sur la Corse, une réflexion, disons, de type esthétique, philosophique, sur ce qui se passait. Et c'était aussi la seule institution qui permettait à des créateurs de s'exprimer. Donc j'ai trouvé que c'était magnifique. Personnellement, je n'avais pas apporté de jugement de valeur sur la Maison de la Culture ou sur sa direction. Par contre, c'était un lieu où on pouvait rencontrer des gens qui avaient des choses à dire.